Salut mes coachs, salut mes rageux, j'espère que vous allez bien. Coach Larage pour vous servir et pour vous instruire. Coach de foot depuis le but de Zidane contre le Bayern Leverkusen en finale de la Ligue des Champions en 2002 à Hampden Park. Ouais, ce but de Zidane, hein, vous vous en souvenez tous, hein, bon, la reprise de volée sur un centre hauteur de Roberto Carlos, mais moi c'est la réaction d'après. Zidane, quand il exprime sa joie, il dit quoi? Il dit « J'en ai marre! J'en ai marre !» Attention talent, Mohamed Amin Tougaï. Il est né le 22 janvier 2000. Il joue à l'Espérance de Tunis, c'est un défenseur central, c'est un Algérien. Il commence dans une académie qui s'appelle l'Excellence de Rabat à l'âge de 10 ans avec un certain Zinedine Boutmane. Zinedine Boutmane que je ferai un attention talent plus tard. Attention, il est très très fort. À l'âge de 15 ans, il intègre le centre de formation du NHD, le NET, Hussein Dey. Par la même occasion, il intègre les U16 de l'équipe d'Algérie. Il est tellement talentueux qu'ils le font monter d'un grade et il intègre les U18 de l'équipe d'Algérie. Il fait un an, puis après, il intègre les espoirs. Je vous dis, ce petit, il est précoce. À l'âge de 17 ans, il intègre l'effectif du NET et en décembre 2018, il joue son premier match en Coupe de la CAF contre le Ahli Benghazi et il enchaîne un match contre l'USMA. Il devient par la même occasion capitaine des U23. Durant la saison 2018-2019, il jouera 14 matchs en L1 algérienne, 3 matchs de Coupe et 7 matchs de Coupe de la CAF. Et durant le mercato estival 2019, il est transféré à l'Espérance de Tunis. Sincèrement, ce jeune joueur, c'est un mec super ambitieux, très gros travailleur et il a le sens du sacrifice. Ce petit-là, il va aller très loin. Moi, je vous dis, il va aller en Europe. Moi, pour moi, c'est un avis personnel. Jamel Belmadi parle déjà de lui, donc voilà quoi. Ses points forts, c'est un défenseur rude. Il a une super bonne lecture de jeu. Sincèrement, ce mec-là, dans son cerveau, ça va très très vite. Il est agressif, mais dans le bon sens du terme. Hein. Franchement, je vous le dis tout de suite, ce défenseur, c'est un mur. Alors, son style de jeu. En Algérie, il est considéré comme le digne héritier de Rafik Halish. Moi, pour ma part, je mets un petit peu de l'ancien défenseur de Laissou Chlef. Meraria. Mais Meraria, je pense qu'il n'y aura plus jamais un défenseur comme ça en équipe d'Algérie. Il était trop fort. Mais Tougaï, s'il peut lui ressembler un petit peu, ça serait le top. Et maintenant, Magneto Mahmoud.
Alors Tougaï, c'est un mur. Tu ne passes pas comme ça. Moi, je te le dis, Yang. En tout cas, des talents algériens, j'en ai une panoplie. Une panoplie. Donc, je vais essayer d'en faire plein. Hein, parce que sur les talents algériens, je me trompe très rarement. Même si je suis un DZ. Hein, parce que Boudaoui, Zorgan, Boussouf et la Tougaï. Et il y en a d'autres qui arrivent. Voilà. Si tu as aimé cette vidéo, bah, partage-la. Mets un j'aime et surtout, abonne-toi. Et moi, je te dis à la prochaine avec un autre Attention Talent. Tchuss.